Donc je tiens à remercier encore Roth, le gérard de la team Roth tout simplement, enfin autrement dit Léo. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo astuce Kama et aussi monter son métier tailleur. Donc comme vous le voir, j'ai une coiffe du Bouffetout Royal, donc c'est pas pour comment dire. C'est pas parce que je trouve ça joli, mais tout simplement pour vous montrer l'astuce. Donc malheureusement, j'avais fait la vidéo en montrant le craft et tout, mais bah en fait j'avais mal branché mon micro, du coup bah j'enregistrais rien. C'est pas grave. Du coup j'avais déjà commencé à faire une cape, une 76 force, ça peut monter. Moi j'ai en HDV, j'ai vu, ça peut monter jusqu'à 84, donc je suppose que ça peut monter jusqu'à, allez, disons 90 je pense. Donc là je suis dans le groupe avec un très bon ami à moi, donc Sir Zurich. Vous avez sûrement, si jamais vous regardez les vidéos d'Hilo Cortège, je partage, j'ai avec lui des personnages comme le Nutrof Sir Turok. Bah maintenant je me suis dit que autant que je crée mon Nutrof à moi, donc c'est pour ça que j'ai créé mon Nutrof aussi. Donc là il est 135, je fais que ça mon rythme, là du coup je suis pas en panneau de sagesse. Bah c'est parti, on va faire un petit FM. Donc on se retrouve également sur le Xelor d'Hilo Cortège, donc merci à toi. Moi c'est tout simplement parce que j'ai toujours pas commencé à monter mon métier costumage, même si c'est moi qui l'avais monté niveau 100 à Hilo Cortège, donc j'avais commencé un peu corps dommage, mais je pense que je vais les monter les trois d'un coup quand j'aurai monté bijoutier 65. Donc c'est parti, je vous présente un petit FM d'une cape, donc on va dire, allez, ça faudra que je la refasse tout à l'heure. On va dire un assez bon jet, on va dire celle-là, c'est parti. Je sais plus combien on peut mettre maximum. Donc 8, c'est parfait. C'est parti, on fait comme ça, hop. Hop, normalement ça va passer. Donc moi je me suis pas fait chier honnêtement. J'ai pris 100 runes Rafo. Je les ai pris à 500 000, mais vous allez voir que je vais quand même faire des bénéfices dessus. Car sur chaque cap je les payais 110 885 Kama, sans compter la cape Bouffetout, donc on arrondit environ à 120 000. Je verrai bien combien de runes on passe par sur chaque chose. Donc là on normalement voilà, 1 plus 72, c'est parfait. J'ai passé 6 runes, donc prix unitaire. Ça fait du 32 000, donc en gros on passe à 152 000. Bon, allez, on arrondit à 160 puisqu'on est généreux et qu'on comptera la taxe de mise en vente avec. Donc 160 000 pour une cape 72 force, on ira voir tout à l'heure quand j'aurai fini les autres capes. Allez, à tout de suite, j'arrive. Donc voilà, je viens de terminer les capes du Bouffetout Royal, donc en terminant avec une plus 74, je trouve ça plutôt pas mal. Donc au total j'ai utilisé 82 runes Rafo. Donc je vais calculer combien ça fait, donc c'est du... Je les avais acheté 5 000 par unité, donc on va plutôt calculer comme ça. Faire 5 000 fois, je vous ai dit, 82, ça fait du 410 000. Bon, je vais calculer tout, donc je vais rajouter une autre calculatrice. 410 000 plus 160 000 fois 5, ça fait du 800 000 plus 8. Donc comme je vous ai dit, j'arrondis à gros, donc 1,2 million pour craft les caps. Donc on se retrouve tout de suite à l'HDV pour voir combien on se fait de marge. Allez, à tout de suite. Donc voilà, nous sommes à l'atelier. Je vous présentais vite fait les jets que j'ai eu. 76, 74, 74, 77 et 72. Donc vous voyez, un plus mauvais jet 72, même un jet 72, je vais quand même arriver à le revendre. Donc moi je suis content de moi. Puis normalement c'est des astuces qui n'ont pas encore été mises sur internet, donc vous voyez, même si je pense que même si vous achetez une à ce prix là, vous pouvez toujours la revendre cher, donc 60.
3000. On a donc ça j'enlève. On va faire en gros du allez on va dire 390 000 pour être généreux et pour montrer que ça marche. Fois 5 ça fait du 1 million. Truc 1 950 000. Donc moins ça ça fait 740 000 de marge alors qu'on n'a vraiment pas fait grand chose. Étant donné que c'est un item quasiment incontournable du niveau bah, du de, en bas level et en force, ça partira très vite et limite dans la journée vous pourrez en faire 5, vous en racheter et puis voilà voilà. Donc je fais une pause, une petite pause. Donc voilà. Et honnêtement je trouve qu'on peut arrondir à 800 000 le bénéfice parce que j'ai un petit peu gaspillé les runes parce que pendant un moment la cape était à 74 et puis au final je l'ai monté bah j'ai bousillé plein de runes et du coup elle était redescendue à 50, j'ai dû remettre des runes et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Normalement elle est rentable à 100%, bah là on peut enfin je vous le montre en vidéo, c'est pour ça. Un bénéfice de 800 000 en gros alors que je vous l'ai montré, j'ai dû commencer ouais, en 10 minutes 800 000 pour moi c'est vraiment pas mal. Après oui on va me dire en 10 minutes 800 000 mais t'as pas compté le temps qu'elles vont se mettre à vendre machin ça dépend des serveurs, ça dépend si si beaucoup de personnes des alentours de niveau 50 voire au dessus sont vont demander des items de ce genre parce que ça dépend de tous les serveurs ça après. Donc moi sur Alzéphine je pense que ça partira bien. Bah de toute façon si, pour une personne qui est force je suis désolé mais elle va pas prendre une scar cap verte hein. C'est totalement débile. Alors c'est pareil ça même en FM je suis sûr que t'as un voilà même FM il y a rien du tout. Donc qu'est-ce que tu veux, Cap Quapter, c'est pareil, ça donne que dalle. Alors que plus de 74, les gens ils vont se dire bah oui, voilà. Et en plus si tu cumules avec une ceinture, bah avec la panoplie tout simplement. Si tu cumules parce que on peut bien aussi bien avoir des coiffes plus 80. J'ai déjà vu des 97. Enfin, j'essaierai de voir en HDV. Après vous faites un anneau du pouceau royal. Plus 150 de vitalité, des bottes plus 160, une AMU qui monte à 50, une ceinture bien boostée à fond en 140 vitalité. Moi je dis que demander de mieux, limite. Ce que vous faites aussi, c'est que vous pouvez aller voir pour crafter les ressources, par exemple l'anneau du pouf tutorial, ça je sais que ça part très vite. Pareil que l'anneau du boost de Clerc, je sais que au tout début. Bah, pour monter mon joyeux mage c'est ça que je faisais parce que ça partait très rapidement et je me faisais les kamas, quoi de mieux, c'est ce que tout le monde cherche de toute façon maintenant des kamas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle se termine maintenant. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, du coup lâchez un petit like, vous abonner si vous n'êtes pas abonné, allez voir la chaîne de mon ami Ilo Cortège car bah, c'est un petit peu grâce à lui et pour l'instant si j'ai pu faire cette vidéo, et aussi mon ami Wizzy Nova, je mettrai leur chaîne dans la description. Surtout oubliez pas de vous abonner hein, c'est cool parce que je compte faire un concours du coup quand j'aurai 50 abonnés et je pense que bah, il y aura déjà des bons petits lots à gagner. Du coup ouais, on va aller voir pour les coiffes du bouffe tout royal. Je crois que j'ai fait une erreur de frappe ouais. Merde mince royal. Donc en plus tac ah ouais oh non ça coûte, ça a baissé les prix quand même. Bon bah c'est voilà, c'est incontournable, ça coûte pas cher et 73 force, j'ai même pas regardé le bonus de panoplie. Donc je pense que les lots ça sera des lots de mes astuces Kama. Donc si vous n'avez pas regardé mes autres astuces, vous ne pourrez pas savoir les lots. Donc je vous invite à aller voir, aller regarder mes autres vidéos sur les astuces Kama. Je vous informe qu'il y aura un très. Si jamais ça se passe comme ça,
il y aura sûrement un très bon lot à gagner. Si jamais vous n'êtes pas sur Elzéphine, vous me direz par message si jamais vous préférez des kamas ou l'item, si jamais vous comptez venir sur Elzéphine après nous me faire un petit coucou à moi et mes amis. Donc voilà, la vidéo se termine, bye bye, allez bon jeu et faites-vous plein de kamas, bisous bisous.